avec tout l'amour que tu as pour chacun de nous. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis, Seigneur, de par ta présence, de par tout ce que tu as donné pour que nous puissions voir ta gloire dans nos vies. Oui, Seigneur, au moment où nous sommes en train de clôturer ce matin, cet après-midi, ma prière pour tous ceux qui sont ici et moi-même, si je pouvais te le demander, de faire ce miracle pour que les chrétiens puissent avoir le temps de rentrer dans ta parole, de se mirer au travers de cette parole et de pouvoir enlever ce qui ne te plaît pas, ce qui n'était pas agréable, de pouvoir obéir à ta parole comme le demande Jacques, comme tu nous le demandes, et de la mettre en pratique. À quoi servirait-il à nous tous, comme Papa Prosper a dit, de nous déplacer de Springfield, de Bloomington, de Champaign, pour venir se nourrir de cette bonne nourriture, de nous mirer et après de tout jeter et de revenir ce que nous étions avant de rentrer ici? À quoi ça sert? Seigneur, fais ce miracle. Je te le demande chaque jour. Que nous soyons nombreux, moi-même y compris, à écouter et à mettre ta parole en pratique. Ainsi, nous serons heureux, comme dit ta parole, dans nos activités. Laisse, Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Ce n'est pas encore fini. Nous allons encore recevoir davantage. Que le Saint-Esprit nous aide à recevoir et à mettre en pratique. Car nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Nous le savons. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié avec beaucoup d'action de grâce. Yes, nous sommes d'accord, nous disons Amen. 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 Amen.